achète tes crédits futs sur le site igvolt.fr. C'est un site fiable et rapide. Pour commenter crédit, clique sur le lien dans la description. Salut tout le monde, c'est Esrefut, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part, ça va plutôt pas mal. Donc j'espère que la rentrée était bonne pour vous. Donc pour moi, ça a été plutôt pas mal. Donc je tiens à vous remercier pour mes 500 abonnés. Merci beaucoup. Pour fêter cela, j'ai fait un concours sur Twitter. Donc il te suffit de me follow sur Twitter et de follow AmnesiaFut et de RT le tweet dans la description. Donc vous pouvez gagner 500 000 crédits sur FIFA. Donc les crédits ne sont que sur PlayStation. Désolé les joueurs Xbox. Donc, en squad builder, j'ai décidé de faire une équipe hybride à 185 000 crédits, donc place au squad builder. Donc, au gardien, les amis, j'ai décidé de mettre Neuer. Donc, Neuer, je l'ai acheté pour 60 000 crédits. C'est vrai, c'est un petit peu cher, mais bon, j'ai été un petit peu conquis. Donc, d'habitude, je dis que les gardiens, ce n'est pas très utile à mettre le prix. Mais là, j'ai décidé de mettre le prix. Bon, j'ai vu quelques améliorations, mais bon, c'est toujours pas ça. Il y a toujours des boulettes qui passent, mais bon, dans l'ensemble, il a fait de bons arrêts, faut en retenir un point positif. Donc après, donc en défenseur central, j'ai décidé de mettre Boateng. Donc Boateng, je l'ai acheté pour 8500 crédits. Donc ce n'est pas grand chose pour un joueur de 85 de général. Donc il a 83 en défense, 82 de physique, il a 4 étoiles de mauvais pied. Donc c'est parfait pour les relances. Donc franchement, je n'ai rien à redire. En défenseur gauche, j'ai décidé de mettre Alaba. Donc Alaba, il est très fort pour les débordements avec son 86 de vitesse et ce qui est bien, on peut centrer avec ses deux pieds car il a 4 étoiles de mauvais pied. Donc j'ai été conquis, je l'ai acheté pour 17 000 crédits, il vaut largement son prix. Donc en défenseur central, j'ai décidé de mettre David Luiz, donc un classique de Ligue 1, donc avec son 81 de défense, 78 de physique. Je l'ai acheté pour 3300 crédits, bon, vous connaissez le joueur je pense, hein, on va pas se le pleurer, il est vraiment énorme pour le prix. Donc en défenseur droit, j'ai décidé de mettre Aurier, donc je l'ai mis Aurier, c'est principalement pour aller centrer, donc il est fort avec son 83 de vitesse. Par contre, il a que 3 étoiles de mauvais pied, mais je ne l'ai pas trop ressenti, bon, comme c'est du côté droit, il a pu centrer largement du pied droit, donc franchement, j'ai été conquis par ce petit joueur. En milieu défensif central, j'ai décidé de mettre Luis Gustavo, donc je l'ai acheté pour 1500 crédits, donc c'est rien pour un 82 de général, donc il a 83 de défense, 82 de physique, il est loin d'être largué en vitesse, il a 74, donc à retenir sur ce joueur, il fait de très bonnes offensives, il est bon offensivement, il lâche de sacrées frappes, mais il est aussi très fort défensivement, franchement, c'est un monstre, il n'y a rien qui passe. Donc en milieu défensif central, j'ai décidé de mettre Matuidi, donc Matuidi c'est comme Gustavo, franchement c'est un monstre, il est partout, vous le connaissez, que ce soit offensivement ou défensivement. Le Matuidi, il est là en plus pour 3700 crédits, c'est vraiment donné. Donc, en milieu droit, j'ai décidé de mettre le Alexandridi Boost. Donc, attention, pour déborder avec son 92 de vitesse, franchement, ça envoie du lourd. Et il est physique quand même. Il a que 58 de physique, j'ai trouvé. Mais bon, quand j'allais décider de centrer, franchement, peu de personnes me l'ont arrêté. Donc, ce qui est bien aussi avec lui, on peut se faire plaisir. 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, on peut faire de très bons dribbles. Et il a une très belle frappe aussi avec son 80 de tir. Donc, et je l'ai acheté pour 49 750 000 crédits. Franchement, ça vaut largement le prix. Et en milieu gauche, j'ai décidé de mettre Royce. Donc, j'ai décidé de le mettre. Faut que je cherche. Faites pas comme moi. Je l'ai acheté en AG. Donc, faites pas comme moi. Faites bien attention. Donc, oui, le Royce. Donc, je l'ai acheté pour 17 000 crédits. Donc, franchement, pour le prix, c'est donné pour un 86 de général. Comme un joueur comme Royce, moi, j'ai été plus que conquis. 91 de vitesse. Donc pour aller déborder, c'est tranquille, c'est pareil qu'Alexandrini, 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, 86 de tir, donc quand il frappe, ça fait plus que mal, 86 de dribble, donc on se fait plaisir, 84 de passe, et franchement ça se ressent dans les centres, c'est rare que les centres soient envoyés dans les choux. En BU, j'ai décidé de mettre Lacazette, donc Lacazette c'est un très bon attaquant de Ligue 1, donc 88 de vitesse, donc très rapide, donc il a 3 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, on peut se faire plaisir en geste technique avec son 85 de dribble, ça fait plaisir. Donc après mauvais pied, j'ai pas trop testé, mais bon, ça va à peu près, il a 3 étoiles. Bon, après il lâche de sacrées frappes avec son 83 de tir, et encore une fois, c'est vraiment donné, 3300 crédits, ce n'est rien pour un joueur comme Lacazette. Donc là, achetez-le bien aussi en 82 de général, faites pas cette erreur. Et mon autre BU qui a été une surprise pour moi, j'ai décidé de mettre Lewandowski. C'était la première fois que je testais sur ce FIFA et franchement, j'ai été conquis. C'est énorme, franchement, il est énorme. Du jeu de la tête, avec son 1m84, il prend tous les ballons de la tête. C'est impressionnant, on lui met le ballon sur la tête, c'est
à chaque fois, but, à chaque fois, limite. Donc, pareil, c'est 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de gestes techniques. 84 de tir, franchement, quand il frappe, ça fait mal. Donc, c'est pareil, encore 85 de dribble, on se fait plaisir. Et on le bouge pas comme ça, Lewandowski. Il a 78 de physique. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et pourquoi pas à la partager sur les réseaux sociaux. Donc, n'oublie pas de participer à mon concours sur Twitter, l'ami. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Portez-vous bien.